Eh ben salut tout le monde, c'est Cyril, salut à tous, nous nous retrouvons donc pour la suite de Bob l'éponge. Alors je suis revenu directement ici, nous n'allons pas perdre de temps. Donc ce que j'ai fait en off, c'est que j'ai fini le niveau de la jungle, j'ai fini à 100%, j'ai récupéré le campeur là, qui me manquait, et puis une spatule là où il fallait geler le lac avec Patrick, etc. J'avais carrément zappé ça, c'était pas bien compliqué. Et donc du coup j'ai farmé un peu de thunes, on va pouvoir finir ce niveau hier. Plus ça brille, mieux c'est. Donc on va pouvoir tout de suite aller avec Sandy. Oh putain, quel con! Qu'est-ce que c'est que ce virage? Ça commence bien, ça commence très bien. Putain, j'ai le câble du casque qui m'emmerde. Ok, on y arrive. Oh putain, non, mais putain, pourquoi je galère? Je suis jamais tombé la dernière fois. Putain, question de se remettre en jambes là. Par le pouvoir saloperie. De l'écureuil. Putain, je remets en haut. Ok, on est bon. Elle est pas lourde, 2800. Quel genre de personne s'imposerait des défis dans ses propres rêves? Les écureuils, on est des durs à cuire. Oh, mais tu vas devoir être une vraie dure à cuire pour réussir cette série de balançoires. Je pourrais y arriver en dormant. Tu es en train de dormir. Exactement ce que je viens de dire. Eh bien, une spatule d'oreille t'attend là-bas si tu arrives assez loin. Et je serai si rapide. D'accord. Et ta tête tournera plus vite qu'un cheval de course sur un carrousel. Un carrousel. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me contenter de rêver de dominer le monde? Bien. Alors attendez, je regarde juste. Ok. Donc ici on a dit. Oh putain, d'accord, ok. Ça commence très très bien. C'était ridicule. Allez, on redémarre ici, donc pas de problème. Mais putain! C'est ce que c'est connerie encore. Il faut que je passe au-dessus? Je pense. Oh putain! On a fait bugger le jeu, les gars. Hop. Loin. Putain, c'est pas clair, hein. Je vais évaluer les distances et tout, là. Saloperie, là.
encore trop loin. Faut que je continue plus. Ça marche pas, ce putain de jeu! Oh là là, vivement qu'on ait fini ce putain de niveau, les gars. Déjà, il y a le truc avec Carlo et tout. Hein. Bien. T'apprendras à chercher des noix. Merde, non. Ouh là là, il a fait me faire tomber lui. Attends, c'est quoi cette surface à l'effondre? Bien. Ouh. Spatule, les gars. Ça explosait la tronche, c'était pas malin. Parfait. D'accord, on revient ici. J'ai jamais pris cette piste là, je crois. Hein. Non, clairement. Hop. Checkpoint, parfait. Des vaches qui volent. On est bien au Texas. Y'a pas à chier. Oh, attention. Bam. Putain. Attends. Aïe. J'imagine que Patrick sera content. Wow. Ok, c'est tout, c'est juste pour la chaussette. Très bien. Je pense, hein. Ouais, il n'y a plus rien. Regardez quand même là, il n'y a rien, c'est parfait. On a eu la chaussette.
Qu'est-ce qu'elle balance, les vaches? Des tartes. Oh putain, c'est étroit, là. Ça me donne la tête qui tourne, putain, c'est super étroit. Ça me donne mal aux yeux. Ok. Allez. Bien. On est reparti. Oh putain. Oh, de justesse. Ouais, crier à la Texane. Aïe. Toa, Banga. Ok, fini. Ok, là-bas c'est le tout début, on a fini. On va parfait. C'est très bien. Comment diable est-ce que je repars d'ici? Ah, attends. Ici, on peut prendre Bob. Ça. Ok. Bien. Parfait. Ça fait 2 spatules dorées de plus. Alors on avait fait... Ah putain, faut reprendre les trampolines. Mais ouais, mais... C'est le truc tellement impossible à voir. Je suis prêt. Non, de justesse. Pourtant, je l'ai bien vu. Incroyable encore. C'est celui qu'on appelle le niveau relou. Mais non, j'étais sur trampoline, j'étais pas sur le truc. Putain. Je viens de voir le replay, je suis sur le trampoline, les gars. Quelle horreur. Enfin, je viens de voir le replay, je viens de voir le avec le petit décalage sur la tablette, sur Twitch. Wow. Bon, là j'ai chié, là c'est de ma faute. Qu'est-ce que c'est relou. Bien. Oh putain. Donc Carlo on l'a fait, hein. Alors là attention, analysons. Bon, il y a un checkpoint de toute façon. On va faire ça complètement au hasard, les gars. Oh putain! On est bon. Oh là là! Carlo, c'est fabuleux.
fabuleusement horrible, tu veux dire. Monsieur Krabs rêve du crabe croustillant. Quelle surprise! Partout où je vais, le travail me poursuit. Waouh! Le pic du déjeuner! Je ferais mieux d'enfiler mon tablier. Oublie le tablier! Récupère cette spatule et sors-nous d'ici! C'est comme un cure-dent doré étincelant qui maintient le pain avec... On n'a pas le temps pour ça! Bof bof, à le doublage de Carlo. C'est le seul qui manque, c'est dommage. Le nouveau est pas terrible. Alors ici... Bon, on va tous se les faire au missile, non? Il y a un temps limité ou pas? J'arrive. Ah d'accord. Très bien. Fabrice, tu viens de rencontrer le Terminabot. Erreur en triple exemplaire. Non, mais il est toujours là, lui. Oh, putain. Oh putain, pourquoi ça revient? Alors ok, leur bulle de protection revient. Puissance de la bulle. Est-ce qu'il ramène les gros? J'ai pas l'impression. Si, il faut revenir les gros aussi, putain. Alors là. Alors là. Ouais. Bah alors là, il y a une chaussette en bas, très bien. Je ne vois pas quoi faire. Il est relou, lui! Mais... Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette phase de l'enfer? Tous plus chiants que les uns que les autres. Putain. Bon, j'ai compris le truc. En fait, en tuant des robots, on fait avancer les plateformes du burger, là. Genre ça. Là, il y en a deux. Non, mais putain. Mais ouais. Comment tu veux faire? Ce feu à con là! Qu'est-ce que c'est que ce missile de merde? Mais. Oh.
Eh ouais, mais putain! Oh là là là, c'est méga chaud! Pile à bataille! Route glissante! Lui, c'est de loin le pire avec son putain de feu, tu peux rien faire, bordel! Mais je fais le triangle! Oh, que c'est horrible! Je suis en transe, les gars, je dis pas. Je me sens regonflé à bloc. Bob au centre de contrôle, lancement en cours. Hop. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ok, on est bon pour lui là-bas. Frais comme une brise printanière. Erreur en triple exemplaire. Oh! Putain, va te faire. Mais casse-toi, putain! Je me fais toucher par ces petites merdes maintenant, là! Ça brille! Dis bonjour à mon ami Bulle. Casse-toi. Ok. Je me sens regonflé à bloc. Et avec son... le décor avec tout son pognon. Boum! Eh ben putain! Wouh! C'était chaud! Enfin! On peut s'en aller! Mais à... Bien, bon attends, on va prendre la chaussette tant qu'on y est. Patrick doit faire sa lessive. Eh ben putain.
Non, pas ça. Oh là 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 là. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Ne nous énervons pas les gars, ne nous énervons pas, on les aide, on est tellement bien. On fait de la ASMR. Putain. Tiens, je vais essayer de là. Oh bordel. Route glissante. Oh, je m'en branle. Le rêve de Patrick. Le rêve de Patrick. Patrick, t'as une spatule dorée. Donne-la-moi. Pas si vite, Bob. Tu vas devoir tout d'abord passer mon épreuve avant d'obtenir cette spatule dorée. Très bien. Défi accepté. Très bien. Tu vas devoir... trouver la spatule dorée. Tu l'as entre les mains. Tu as réussi. Voici ta... Hey, magnifique. Sacré Patrick. T'as le mec, il est tellement con que... il est tellement grand qu'il rêve de rien, quoi. Le truc, il est en noir avec une lampe. Je te mets... Patrick. Oui. J'ai déjà accompli... Un que... Dans ce cas... Tu me l'as déjà... Ah oui. Dans ce cas... Patrick. Énorme. Allez, cassons-nous. Salut Patrick. Alors lui, hop, oh, putain. Bob au centre de contrôle, lancement en cours. Tu viens de rencontrer Parfait. Le Terminabob. ...78 spatules, ça commence à sentir bon. Eh ben, on les a tous. On les a tous, mais du coup, il n'y en avait pas une, là, sur la bulle. Bah, si, c'est bien ce qu'il semblait. On a fini le niveau. On a fini le niveau, par contre... Celui-là, maintenant... Putain, j'allais dire celui-là maintenant, on le connaît. Merde. Et ouais, j'ai oublié ce mec-là, putain. Non. J'allais encore oublier, hein. L'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. Non! Non, je la bulle, on sait qu'elle est à ce niveau-là, un peu plus de la moitié. La bulle, la spatule, je veux dire. Merde.
Ah ouais, je sais même pas si on peut la prendre parce que j'ai tout fait. Hein. Là, il me dit que je les ai toutes là. Donc bon, on va retourner à la Bikini Bathroom. Tu veux t'en aller? Je sais que c'est mon rêve. Oh. Ah là là. Bon ben voilà. Du coup maintenant, là il nous en reste qu'une. Parc industriel, c'est fait. Centre-ville, il nous en manque deux. Poséidon, c'est fait. Lagon pétrolier, il nous en manque une. Prairie, on les a tous. Rock Bottom, on les a toutes. Grotte de l'homme sirène, on les a toutes. Dune de sable, on les a toutes. Holland des volants, c'est le dernier niveau qui reste à faire. C'est ça. Ok, et eh ben écoutez, le prochain niveau ce sera donc le Hollandais volant. On va y aller. Bob au centre de contrôle, lancement en cours. On va y aller pour voir à quoi ça ressemble. Le cimetière d'épaves. Parmi ces carcasses hantées, un spectre terrifiant attend son heure. Ok. Qui ose déranger le Hollandais volant? C'est moi, Bob l'éponge, monsieur. Je n'ai pas besoin de climatisation. Mais je ne suis pas un démarcheur. Écoute, gamin, je suis bien trop perturbé pour essayer de te flanquer la frousse pour l'instant. Reviens plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces satanés robots. Ils ont osé m'exclure de mon propre bateau, ces bougres. C'est un peu comme si quelqu'un baissait ton pantalon en face de parfaits étrangers. C'est si triste. Ces robots possèdent leur propre bateau pirate et ils se tirent dessus mutuellement. Je peux faire quelque chose pour vous remonter le moral? Eh bien, maintenant que tu le dis, grimpe sur mon navire et utilise les canons pour vaincre seul le bateau des robots. Des questions? Est-ce que ce joli chapeau est disponible en taille 3? Non. Mais si tu fais ce que je t'ai dit, je t'accorderai une spatule dorée. Allez, au boulot. Eh ben très bien. Oui bon, lui on le connaît. Puissance de la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un chemin ici, on aura ça à déglinguer, il y a des trucs en haut, il y a des machins pour Sandy. Ça c'est juste pour un calbar, ici il y a un robot. Parfait, on a notre bois-boîte. Des cadeaux. Bon. Cha-ching ! Ah, ça rame un peu ici. Alors
t'en voir. Ah bah non, c'est bon, c'est comme ça. Voilà. On va aller voir en bas d'abord. 2700. Allez, tu veux 2700, très bien. Ah, tiens donc, un bouton. Pour après, du coup, à mon avis, c'est un truc inaccessible pour l'instant. Il voulait nous dire qu'il fallait qu'on arrête l'espèce de truc acide qui coule. Bien, checkpoint. Mais on va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là et on finira donc le jeu la prochaine fois. Soit ce soir, soit demain. Vu qu'il nous reste ce niveau-là, puis ensuite le niveau final dans le saut de l'enfer de Plancton. Et on aura fini le jeu, pas à 100%, parce qu'il restera une ou deux spatules par-ci par-là. Ça, je le ferai en off. Mais voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, ce qui sera le dernier grand niveau du jeu. Merci d'avoir suivi cette 10e partie de Bob l'éponge, la 11e qui sera donc très certainement la dernière. Ciao, ciao et à très vite.